Bonjour, bienvenue à Yazen. Voilà, 2020 arrivé. Et nous avons un tas de vœux, de souhaits que nous voulons envoyer depuis le cœur, là, à nos proches, nos familles, nos amis, nos clients, etc. Et c'est vrai que, voilà, quoi, il y a beaucoup, 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 beaucoup de souhaits vraiment de paix, de tranquillité, d'esprit, d'empathie, d'amour, d'échange. J'ai regardé une très belle vidéo, comme d'habitude, de Deepak Chopra, vraiment qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée et qui m'a touchée parce qu'il a vraiment parlé des principes que nous pourrons développer pour cette nouvelle année lorsque nous voyons tous les états de guerre, les conflits, les problèmes climatiques, les piratages sur au niveau informatique, lorsqu'on regarde vraiment au niveau consommation, les préjudices que certains pays doivent supporter, comme les Antilles, avec la terre qui est empoisonnée, les gens qui meurent de cancer, etc. J'ai une amie qui est morte fin de l'année dernière, 2019, d'un cancer. Pourtant, bonne santé, mais voilà, elle a vécu aux Antilles. Moi, je suis partie. Donc, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, j'espère que cette année, nous pourrons beaucoup, beaucoup, beaucoup développer au niveau des potagers, dans la cuisine, sur les terrasses, etc. Très simple, très facile à faire. Donc, voilà, je ne suis pas dans la naturopathie, dans tout ce qui est potager, mais ça fait partie d'un équilibre et une intelligence de vie pour être au niveau santé. Sain, etc., pour suivre tout ce qui est yoga, énergie, vibration, massage. Au niveau 2020, voilà, c'est vrai qu'il y a une chose qui est vraiment très importante pour moi, c'est au niveau de ma richesse. Je ne parle pas seulement de richesse au niveau client, au niveau travail, etc., mais aussi au niveau financier, vraiment pouvoir être indépendante financièrement et que ça développe. J'ai trouvé une activité super intéressante que je suis en train de développer et que j'ai mis en place. Et vraiment, si vous avez envie d'avoir des renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai de plus en plus de renseignements, mais ça vaut vraiment le coup. Ensuite, au niveau de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'interview que j'ai vue avec Deepak Chopra, au niveau de l'intelligence émotionnelle, où on va développer vraiment courage pour être vrai, courage pour faire face à ses peurs, courage pour faire face et connaître ses valeurs et connaître les valeurs des autres et reconnaître la valeur des autres, parce que nous sommes tous importants. C'est reconnaître la peur de l'autre, mais également mes peurs, pour pouvoir être juste. C'est avoir une vision de la paix et être coopérative. C'est aussi d'avoir le courage et l'intelligence de pouvoir préserver sa paix et savoir pardonner et être pardonné. C'est traiter soi-même et l'autre avec beaucoup de respect. Et l'intelligence, percevoir l'injustice, que ce soit pour l'autre ou pour moi-même, et pouvoir en parler avec calme, dignité, respect et amour. Voilà, c'est ça qui est plus important aujourd'hui pour 2020. On y va haut et fort, on y croit, succès, richesse, amour, pardon, empathie, voilà, c'est tout ce que je souhaite pour 2020. On y va, on y croit, on est à fond dedans. À bientôt.